bien, bonjour à tous les amis, c'est votre jumper le gardien. J'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, moi ça me donne nickel. Comme d'habitude aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau tycoon nommé Prison Tycoon. Et les amis, aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va tout simplement construire et ouvrir une prison. Enfin ouvrir, hein, on va surtout bien la sécuriser, bien garder enfermés en fait les prisonniers. Bah oui, parce que c'est quand même ultra important. C'est un peu le but de notre prison aujourd'hui, tu vois. Donc les amis, oh bah il vient de me voler ma prison. C'était mon emplacement favori, regarde. Il y avait des arbres et tout, des petites collines, ça, tu les rendais bien, tu vois bien. Donc du coup, alors, on va aller directement là-bas. Donc on va prendre, et bah écoutez, un emplacement. Et les amis, on va construire cette magnifique prison. Vous allez voir, qu'elle va être ultra sécurisée. Il va y avoir des lasers, il va y avoir des tourelles, il va y avoir des tanks. Non, je déconne, je sais même pas si, s'il va y avoir des tanks, si c'est possible, tu vois. Donc du coup, alors, comment ça fonctionne? Donc là, à mon avis, j'ai dû claim la prison. Donc maintenant, c'est mon emplacement. Alors là, pour le moment, c'est juste une grande dalle. Voilà, il y a quelques caisses, tu vois, il y a rien du tout de plus. Mais bon, alors est-ce que sont les convoyeurs? Alors, begging working, comment ça fonctionne? Alors, extra dropper, qu'est-ce que c'est? Oh, il faut cliquer! Il faut fabriquer alors des espèces de carrés gris pour obtenir de la monnaie. Et oh, j'espère quand même qu'il va y avoir des espèces de droppers pour les convoyeurs, hein, que ce soit automatique. Parce que là, mon pote, ça va tellement être long cliquer. Si c'est un peu comme le tycoon zombie, tu vois. Est-ce que du coup, attends, c'est 150 un dropper. Ça roule, alors, est-ce que j'ai le cache quelque part ou pas? Attends, il est où? Attends, c'est marqué 118. Oh! Ah, c'est comme ça qu'on l'obtient, d'accord. Et je pensais que ça allait être au début, tu vois, l'entrée de ma prison, tu vois. Bon, on est à 118 $. Il nous faut du coup, les amis, 150 $ pour pouvoir obtenir notre premier dropper. Alors là, normalement, je peux l'acheter. Le dropper. Ok, c'est bon. Est-ce que j'en ai un ou pas? Alors, il est où? Attends, oh non, il faut continuer de cliquer. Mais c'est une blague. On va être obligé, ça n'existe pas les droppers automatiques. Ah, il faut absolument cliquer tout le temps, tu vois, c'est quoi le reste? Dropper 2, upgrade 1. Oh, si, attends! Ah, ça descend tout seul! Ah, c'est génial! Et en plus, regardez l'espèce de grosse case, ça donne des... ça donne de 50 $, ce qui est quand même assez... ouais, c'est assez énorme, tu vois. Donc du coup, ça, c'est dropper upgrade wall. Non, on va acheter un autre dropper, voilà, un deuxième. Ah! Comment ça, je peux pas l'acheter? Attends, mais attends, c'est marqué, il me... Ah! Bah mais j'ai pas récolté l'argent, c'est sûr que je vais pas pouvoir l'acheter, hein, voilà. C'est bon, du coup, un deuxième dropper. D'accord, je vois pas à quoi. Non, c'est exactement les mêmes. Mais qui c'est qui achète des trucs comme ça? C'est de la matière première ou quoi? C'est pour faire quoi? Des statues ou autre chose? Ou peut-être c'est pour construire notre prison? Parce qu'on dirait un petit peu des blocs de parpaing, tu vois, pour monter le mur et tout, tu vois. Donc du coup. Oh! Wouah! Mais ça donne masse cash les droppeurs automatiques là! Mais c'est génial! Attends, c'est 1500 $ celui-là? Bah je l'achète direct, mon pote. Ok, on va voir un petit peu. Là, normalement, on va avoir masse argent, l'ami. Regarde ça. Oh! Oh, comment ça monte vite! Ok, il nous faut du coup 2000 $ pour améliorer alors le dropper. Enfin, je pense qu'à mon avis, soit ça va tomber plus vite, soit on va gagner un autre convoyeur. Alors, attends, on va l'acheter, c'est quoi? Ça fait quoi? Ah, oui, j'ai pas. Faut pas que j'oublie qu'il faut que je récolte à chaque fois la monnaie, tu vois. Ok, là, ça fait quoi en fait? Oh! Ça filtre! Regardez, attends, si je clique, qu'est-ce que ça fait? Ah, d'accord, waouh, ça tombe tellement vite là! Ah ouais, c'est d'une puissance, mon pote. Mais tu sais quoi, on va acheter un autre dropper directement. Voilà, le quatrième, qui celui-ci est aussi automatique. Non, mais là, du coup, ça me sert à rien. Parce que si c'est pour le cube qui est là, je vais pas m'amuser à cliquer tout le temps. Mais moi, j'ai une prison à construire, mon ami. Attends, ça fait quoi, ce truc-là? J'ai l'impression que ça a amélioré la protection du dropper. Ouais, ça a dû mettre un mur, un truc comme ça. Bah, tu sais quoi, déjà, on va récolter l'argent. Et ça monte tellement vite, quoi. Regardez, on est déjà à 7000. Non mais 7770, et là du coup on peut acheter le cinquième dropper. Ensuite le prochain c'est 7500. Oh tranquille l'ami, tu sais quoi, on achète tous les droppers, j'ai envie de dire comme d'hab. De toute façon c'est la meilleure technique, c'est d'améliorer les convoyeurs et les droppers pour avoir encore plus de monnaie, mon pote. Et hop, le sixième, est-ce qu'il y en a un autre? J'ai pas l'impression, je crois qu'à mon avis on a tout là. Oh, oh, par contre ça va tellement vite. Oh c'est génial, ok. Ah, il y a des nouvelles choses qui sont débloquées. On va pouvoir acheter du coup les murs. On va pouvoir acheter la base et tout. Oh, ça va être génial. Oh, mur de prison. Ah bah attends, j'ai pas assez. Faut que je marche jusque là-bas. Est-ce que ça pourrait pas servir de récolte, non? Ok, bon, tant pis. On va, c'est pas grave, on marchera, hein. Écoute, on essaiera d'acheter une petite voiturette, c'est un petit caddie de golf, tu vois. Tu vois, ça pourrait être sympa, quoi. Donc, du coup, on a 16 000 $, les amis. Donc, on va acheter d'abord toute cette partie-là, donc qui a l'air un petit peu moins chère, donc à 1000 $. Wow! Ah ouais, c'est électrique et tout! Ah, stylé de fou! Oh, c'est génial! Ensuite, les spikes, donc le barbelé au-dessus. Ah ouais, là, ça commence à être sécurisé. Enfin bon, là, il n'y a pas de cellule, donc forcément, hein, voilà, c'est pas grand-chose. Ensuite, la porte. Oh, porte laser! Waouh! Ah ouais, alors là, je pense qu'il n'y a aucun moyen
hein, de partir d'ici. Alors, on est d'accord. Hein, là, même là, c'est bétonné. Hein, tu peux essayer d'y aller à l'appel, mon pote. C'est pas possible. Tu vois, ensuite, on va acheter les cellules. Oh, ah oui, d'accord. C'est une cellule par une cellule. Ah oui, là, ça va. Ouais, ça va vite monter au niveau du prix. Donc là, on va récolter les 30 000 dollars. Et ensuite, on va pouvoir acheter. Bah, tu sais quoi, on va acheter tout ça. Tiens, c'est quoi, upgrade wall? Oh! Ah ouais, des immenses murs. Ensuite, oh! D'accord, alors là ça fait un peu bizarre sans la fondation, donc on va acheter les fondations, voilà, on va acheter le toit, nickel, on va acheter, oh, la base, wow, là ça commence à ressembler à quelque chose, là ça ressemble à une prison, là on est d'accord, tu vois, c'est pas une petite dalle, tu vois, ok, on achète du coup les cellules, alors attends, on va reprendre un petit peu de la monnaie, oh, mais ça monte tellement vite, c'est le meilleur dropper que j'ai jamais eu, je crois, non mais le tycoon il va durer 5 minutes, tu vois, ok, donc 5 500 $, voilà, ok, on va encore acheter des autres cellules, d'ailleurs c'est marrant, il y a pas de barreau ou quoi, tu vois, c'est des petites pièces, voilà, regarde, c'est ok, bah, ça manque un peu de lit ou quoi que ce soit quand même, c'est, ouais, c'est pas terrible, hein, on est d'accord, ok, donc là, ensuite, on récolte la monnaie, on va acheter les tables, voilà, oh, c'est la cantine, ah, très bien, ok, donc, vous avez les pizzas? Eh ben tant mieux, parce qu'il y a que ça à manger ici, tu vois. Des pizzas, des échiquiers et tout, pas mal. Ensuite, on récolte de la monnaie. On est. Non, je voulais pas m'asseoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh, c'est les numéros de cellule. Oh, et du coup, si j'achète une porte, ça fait quoi? Ah, waouh! Ah ouais, c'est des barreaux et tout. Bon, moi, vu que je suis le directeur de la prison, et tu vois, et j'ai le droit de passer à travers les barreaux. Hein. Ok, donc on va récolter encore un petit peu d'argent. Tiens, au passage, regarde, j'appuie dessus, voilà, pour en obtenir encore plus. Bam, donne-moi la monnaie, mon pote. Envoie tout, ok, qu'est-ce qu'on peut obtenir ici? Oh, wow, 30 000. Ah ouais, on va peut-être pas acheter ce truc-là, c'est quoi ça? Ça, c'est les bureaux, ensuite, on va acheter la porte, on va acheter, hop, le truc pour le petit panneau, hein, qui signifie qu'ici, c'est le bureau des gardiens, l'ami. Ensuite, voilà, on va récolter encore de la monnaie, on va acheter d'autres cellules ou pas? Attends, c'est les portes, c'est quoi ça? Oh, les lampes, 15 000. Ah, je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez, là c'est tout simplement les portes une fois de plus. Est-ce qu'il y a des trucs à acheter dehors ou pas? Parce que j'ai pas vu. Faire un petit peu. Oh, il y a des trucs! Échelle et. Oh, c'est génial! Il y a des trucs à acheter et tout. Alors, attends, ça c'est les échelles. Ok, pour faire un petit peu. Là, il y a les snipers, tu vois. Ok, bon là, ça je ne peux pas le prendre. Attends, on va monter, on va aller voir. On va aller voir un petit peu là-haut. À quoi ça va ressembler. Oh! On peut acheter un autre truc! On peut acheter un autre. Regardez, il y a d'autres prisons là-bas, là. Au fond, il y en a une encore là-bas. Ok, là, c'est quoi? On va récolter la monnaie. On va aller voir. On va améliorer un petit peu l'extérieur. Ouais, hein, on est d'accord. Ça va changer un petit peu. Non, mais arrête de t'asseoir. C'est pas le moment. C'est pas la pause. Pas tout de suite, tu vois. Ok, donc on va voir. Est-ce qu'il y a moyen d'obtenir un autre convoyeur? Bon, je pense pas. À mon avis, je doute. Voilà, donc du coup, là, les lumières, on s'en moque. On va acheter, du coup, ce qu'on a vu là-haut. À mon avis, ça va être des tours. Des tours, alors un étage, tu vois. Enfin, un petit peu, c'est quoi? Oh, ah non, c'est un hache, d'accord, d'hélicoptère. Ah, d'accord. C'est pour transférer les prisonniers directement par hélicoptère. Ok, ça, je peux pas le prendre. Voilà, ça, c'est le panneau, hein, qui te, tu vois, ça signifie bien que c'est une prison. Ah là, c'est, si t'étais pas sûr, voilà, hein, c'est quand même bien marqué, tu vois. Ok, donc ça, c'est fait. On va acheter, du coup, les poubelles. Voilà, les poubelles qui coûtent 12 000 dollars. Voilà, ça coûte plus cher que le barbelé, la laser et tout, tu vois, c'est n'importe quoi. Ok, ensuite, est-ce qu'on n'achèterait pas le bureau? Tiens, vas-y, alors office. Oh, le petit bureau du directeur, là, avec le PC qui est énorme, on dirait un frigo, le truc. Et là, si je peux m'asseoir dessus. Alors, par contre, les écrans, ils sont un peu en carton, là. Il y a rien du tout d'affiché, c'est pas si normal, mais il y a quoi là-dedans? Je peux en ouvrir? Ok, c'est enfin, on peut en ouvrir, je pense qu'à mon avis, c'est uniquement des armoires décoratifs. Voilà, c'est dommage, j'aurais bien voulu être... habillé en gardien, tu vois, ça aurait fait un peu plus stylé. Mais bon, on peut pas, on n'a pas le droit, c'est interdit. Donc ça, c'est bon. Oh, c'est quoi ça? Oh, attends, stuff, c'est de l'équipement, ça. Room light. Faire. Ouais, parce que là, on voit rien du tout. Oula, oulala, oh, ça a pas l'air oh, ça a pas l'air très très commode, tout ça, c'est quoi ça? Ah, oh, c'est les guns. Voir des armes. Mais c'est génial. Ah, attends, on va récolter la monnaie. Hop, 14 000, ça fait plaisir. Et là, oh, taser. Attends, il est où le taser? Oh, il est là. On a un taser! Mais c'est génial de vous regarder! On va pouvoir s'habiller tout en gardien! Ah! Ça c'est cool! Là je suis d'accord! Attends, tu sais quoi? On va utiliser un petit peu de. Et là on va cliquer! Allez hop! Envoie la monnaie, l'ami! Envoie la monnaie! Voilà, c'est bon! Ok, on va pas trop envoyer! Regardez, ça bouchonne! Ça bouchonne au bout, tu vois! Ok, on va essayer d'acheter du coup. Non mais c'est pas possible! Arrête de t'asseoir! On va acheter. Celui-là! 16 000! Ça fait quoi? Oh, il est là! Qu'est-ce que c'est? Oh! Attends, ça va me le mettre? Oh! Oh! Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis allergique aux cacahuètes! C'est l'allergie, tu vois. Bonjour! Je suis Furious Carré! Non, mais il va pas me laisser ma tête comme ça, quand même. C'est une blague! Non, c'est une blague! Non, mais.
Non mais c'est une énorme blague, regardez ma tête quoi. Mais non mais... Mais qu'est-ce qui m'est arrivé là? Oh, attendez, je vais essayer d'acheter le... Un autre truc là pour voir si... Il y a moyen de... Oh, on peut acheter des uniformes de prisonniers aussi, attends. C'est quoi ça? Un petit peu? Ok, et si je prends ça là? Est-ce que ça irait pas mieux? Est-ce que ça va... Non, ça... Ah si, ça y est, attendez. Ah, je suis un gardien. Bon, j'ai un petit problème de tête mais... Mais voilà, hein, j'ai pris un coup de taser sur la tête, voilà, ça m'a fait mal. Ok, là c'est quoi? Wow, un pistolet. Oh, pas mal. Ah, j'allais dire, ah, c'est bien, regarde vite comme ça, mais en fait, non. Non, il y a un petit problème toujours. Non, ça va pas, ça. Ça va pas du tout, ça. Ah bah écoute, on va garder notre tête carrée comme ça. Hein. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Donc du coup, est-ce qu'on peut acheter autre chose? On peut acheter, wow, une AK et tout. Mais non. Ah, là par contre, ouais, vu la première personne, il y a un petit problème avec l'arme là. On est d'accord, on a une chaussure ou un marteau dans les mains quoi. What the fuck quoi. Donc, du coup, ensuite, les amis, on a 25 000 $. On va quand même prendre la monnaie comme ça. C'est good. Et on va acheter du coup toutes les portes. Regardez-moi ça. Voilà, celle-là, nickel. Ouah, ça coûte tellement cher. Ça coûte tellement cher. Et les lumières, c'était 15 000. Et là, on va pouvoir les prendre. Oh! Ah là, on voit déjà mieux quoi. Et là, normalement, ici, on peut acheter les uniformes. Voilà, des prisonniers. Alors, attends. Ah, il y a l'uniforme à l'ancienne quoi. Faire un petit peu. Voilà. Ok. Ah, non, ça n'a rien à voir avec la photo là. Et c'est pas ce que j'avais demandé. Attends, est-ce que je peux changer? Non, ah ça y est, voilà. Mais par contre, j'ai vraiment un problème de tête quand même. Mais non. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est pas possible. Ok, bon, bah, c'est pas grave. On va revenir comme... Non, mais regarde, on dirait vraiment une vraie crête de fou, quoi. Ok, donc du coup, on récolte la monnaie et on va pouvoir acheter le reste, c'est-à-dire encore les portes, voilà, à 5 000, à 4 000 et enfin à 3 000. Voilà, on avait acheté les portes les plus chères en fait depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses à acheter ici ou pas? J'ai pas l'impression, mais il va falloir... Non mais arrête de t'asseoir s'il te plaît. Arrête, c'est chiant, oui, ça devient chiant à la force, tu vois, ça devient très chiant pour tout le monde, tu vois. Ok, donc là, on a 26 000 $ et là, normalement, on va pouvoir aller acheter, justement, il me semble qu'il y avait des lampes à l'extérieur, c'est ça? Oui, les lampes! Oh! Alors, 25 000 $ pour ces petites lupiotes, là. Mais c'est quoi cette arnaque? Attends, est-ce qu'il y en a autour ou pas? Il y en a même pas autour! J'ai payé 25 000 $ pour ça! Non mais c'est ultra cher, on est d'accord? Mais attendez! Mais je crois sans déconner, on a vraiment tout acheté. Alors, est-ce qu'il... Oh, ça fait mal! Oh, j'ai essayé de passer au-dessus des barbelés. Non, mais ça te désintègre direct, quoi. Ok, bon, alors, j'ai terminé la prison avant lui. Eh, hey, j'ai quand même été beaucoup plus rapide. Bon, eh ben, au moins, ça s'est fait. Par contre, non, il y a juste un problème. J'ai quand même envie, s'il vous plaît, d'avoir ma tête de gardien correcte, quoi. Non, mais attends, les prisonniers vont me voir arriver comme ça. Ils vont même pas me respecter, tu vois. Ok, donc, par contre, là, c'est fermé. Est-ce qu'il y a moyen de passer ou pas? Parce que là, il y a les lasers, quand même. Attends, je peux passer? Ah, j'ai peur, parce que j'allais dire, si je peux pas rentrer dans ma propre prison, c'est quand même une bonne blague. Ok, bon, on va récolter quand même la monnaie au cas où il y aurait des trucs à acheter dans le coin. Mais il me semble que non, en plus, hein. Il me semble que c'est good. Ah, attends, on va prendre tout ça. Il y a rien à acheter dans le bureau. Parce que des fois, t'as les trucs dans les zones, ils se débloquent, ouais, un peu plus loin, tu vois. Donc, du coup, on va prendre ça. On va prendre ça. Et là, regarde bien. Là, tu vas te marrer. Regarde... Ah, ouais, non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible! Rendez-moi ma tête! Mais non, mais. Non, mais à quel moment? En plus, c'est dommage, parce que regardez, la tenue, elle est tellement classe. Mais par contre, ma tête, voilà quoi. Ma tête, elle est complètement pétée quoi. Bon, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas un seul lit ou des toilettes dans les cellules. Oh, elle est énorme celle-là. C'est ouf ça quand même. Parce que bon, on aurait pu au moins avoir des chiottes et le lit et tout ça, tu vois. Parce que là, c'est pas le cas. Hein. Clairement, là, il n'y a rien du tout. Hein. Ah, bah les amis, voilà. Je me disais bien aussi que ça me paraissait bizarre que ce soit un peu vide. Regarde, on peut acheter un bureau. Oh, ah bah voilà. Là, ça y est. On va pouvoir mettre des trucs dans les cellules. Ah, là, c'est quand même un peu plus rempli, quand même, parce que j'ai dit, mais pourquoi ils auraient fait aussi grande? Oh, c'est génial, regardez-moi ça, quoi. Comment c'est trop cool de pouvoir acheter des trucs, parce que vite comme ça, ouais, ça aurait été un peu, ouais, ça aurait été un peu bizarre. Donc là, on peut acheter la même. Ok, ouh, ça va coûter cher, force. Ça va coûter très, très cher. Mais bon, on va le faire, parce que bon, il faut quand même que ça soit une belle prison sécurisée, mon pote. Ok, donc du coup, 52 000 $. Hop, on récolte. Est-ce qu'il y a du nouveau truc dans le bureau? J'ai pas l'impression. Ok, donc du coup, on a 61 000. C'est pas mal, j'avoue, c'est pas mal. Et vous avez vu, comme quoi, faut toujours fouiller dans les tycoons, parce que il suffit de, comment dire, que t'achètes absolument tout pour que ça débloque un truc dans un coin et que tu le vois pas, tu vois. Donc du coup, là, c'est good. Là, c'est bon, on peut le faire. Voilà, de toute façon, je suis obligé d'acheter dans l'ordre, sinon ça débloque pas les cellules suivantes, en fait. Ensuite, voilà, le bureau, le lit une fois de plus. Nickel. Et enfin, pour terminer ici, ah ouais, là, ça va coûter cher. Là, ça va coûter tellement... Ouais, voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr que j'allais pas avoir les moyens. Là, il me manque 16 000. Il me faut 16 000. Ah, c'est bon, on a 24 000. Et heureusement,
heureusement que le dropper il donne masse argent quand même, hein. Heureusement parce que sinon, voilà, ça serait difficile d'améliorer la prison. Voilà, donc du coup, hop, 8 000 $ et ensuite 8 000 $. Voilà, c'est bon. Et là, normalement, on a absolument tout acheté, je crois. Hein. Ouais, ouais, il y a absolument tout. Hein. Honnêtement, là, je pense que si. Cette tête, j'en reviendrai jamais, quoi. Cette tête de vainqueur que j'ai. Là, normalement, voilà, si je fouille tout autour au niveau des cellules, c'est good, voilà, tout est bien rempli. Regardez-moi ça, quoi. Ça, c'est une vraie prison, mon pote. Et là, normalement, on ne peut plus rien acheter. Et je vais regarder quand même au-dessus. On va quand même prendre. On va prendre l'échelle. Voilà, est-ce qu'il y a des trucs à acheter? Il y a même pas d'hélicoptère, c'est dommage. Tu vois, ils ont mis le H, mais on n'a pas le droit à l'hélicoptère. Et les amis, regardez, on a terminé notre prison. Et ben voilà, les amis, c'était rapide quand même de construire une prison. Ce tycoon était vraiment génialissime. Surtout ces droppers. Ah, si les tycoons, hein, tous les tycoons avaient ce genre de droppers qui donnent autant de monnaie, je peux dire que mon pote, ça serait un truc de dingue. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite map Roblox Tycoon vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu. Après, bien sûr, très plaisir ainsi que vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Je vous remercie grandement, les amis, c'est le Jumper, le directeur de prison. Et je vous dis du coup à très bientôt. Et ciao, les amis.